candidat. Bien bonjour, je m'appelle Alexis Charlatan, j'ai 19 ans et je viens de Sorel-Tracy. Je suis apprenti électricien. Je commence, là. Je fais des petites entrées électriques avec mon père. J'adore travailler avec Alexis. Le plus bel héritage que j'y ai laissé, c'est d'être travaillant. J'aime bien le sport extrême. Je fais beaucoup de ski nautique, du parachute, du bungee. Oui, je roule mes airs depuis que je suis tout petit. Peut-être que dans une autre vie, je riais tout le temps d'un petit gars qui roulait ses airs, puis là, que je suis né avec ce petit défaut-là, comme on peut dire. Interprétant sa composition. L'évolution d'une balade sous un ciel d'involution. Voici Alexis Charles Lafont. C'est alors que ma vie prit une tournure bien différente de ce qu'elle était auparavant. Et si nous n'étions que des amants, je t'embrasserai dans l'air, te dessinerai dans le ciel pour ne pas te perdre sans laisse ni médaille. Il me faut t'admettre que parfois comme un loup je me dois de renaître. Et je te tenterai encore et encore aujourd'hui me voir. J'imagine derrière un piano de concert noir, magnifique, dans un opéra. Et je trouve que tu as un talent exceptionnel. Encore une fois, c'est une chanson que tu as composée. Il faut avoir le courage de les interpréter. Si je devais avoir un coup de cœur jusqu'à maintenant ce soir, ce serait toi. Et simplement, juste un petit peu attention à la justesse de ton chant, mais... C'était juste pour dire quelque chose. T'es une bibitte, c'est sûr que t'es une bibitte, mais moi j'aime ça les bibittes. Puis c'est sûr, des fois c'était un peu tout croche, mais c'était un tout croche artistique. Parce que t'es foncièrement un artiste. C'est ça qui est le fun de t'accueillir ici. Oui, ouais. Merci. Ouais. Je suis très ému présentement. Parce que quand je rencontre quelqu'un qui a un talent particulier, singulier, aussi unique et fou comme toi, j'adore ça. T'es tellement particulier, j'aurais tellement de choses que j'aurais envie de travailler avec toi, mais en même temps, j'aurais peur de commencer par quelque part parce que je veux pas abîmer rien de ce que tu fais par instinct. Tu fais des affaires incroyables.